Gloire à Dieu. Nous bénissons ce matin notre Seigneur, notre Dieu. Vous tous, peuple de Dieu, que le Seigneur a relevé, a réveillé ce matin, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, dans la présence de notre Père, nous voici encore pour l'honorer, pour le célébrer. Oui, lorsque nous regardons tout ce que notre Dieu fait dans nos vies, tout ce que Dieu fait dans nos territoires, dans nos maisons, dans nos familles, nous reconnaissons qu'il est digne de louange, qu'il est digne de gloire. Et ce matin, nous nous sommes réveillés avec ce chant, avec cette mélodie, avec cette reconnaissance, en lui disant qu'il est digne. Il est digne, notre Seigneur, de toute louange. Il est digne, notre Seigneur, de toute action de grâce, de toute gratitude et de toute reconnaissance. Ma sœur, mon frère, partout où nous nous trouvons, nous pouvons lever nos mains, nous pouvons nous prosterner et nous pouvons lui dire qu'il est digne. Alléluia. Ce matin, notre Père, tu es digne. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia. Papa, nous disons, ce matin, Seigneur, toi qui nous as donné la vie, la tranquillité, la bonne santé, toi qui nous as renouvelé la respiration, ô Père, toi qui prends soin de nous chaque jour, chaque nuit, et cette nuit, tu nous as préservés, protégés, Père. Alléluia. Ô Père. Seigneur, même si nous n'étions pas sur la terre, même si notre Père, nous n'avions plus la vie, même si notre Père, notre Dieu, nous n'avions plus l'être et le mouvement, oh, certainement, dans ta présence, nous serons toujours en train de chanter « Digne es-tu ?» Alléluia. Papa, quand je n'aurai plus la voix, quand je ne serai plus de la terre, je continuerai à dire « Tu es digne ». Alors ce matin sur la terre, ô Dieu, de ma position sur la terre, je dis « Tu es digne ». Alléluia. Papa, dans le ciel, Seigneur, dans le ciel, notre Père, il est dit que tu es digne. Alléluia. Et sur la terre, je dis que tu es digne. Papa, je dis, ô Père, alléluia. Cela ne dépend même pas des biens que je possède. Cela ne dépend pas, Seigneur, de mes échecs ou de mes succès. Tu es digne par toi-même. Tu es digne dans le mauvais jour comme dans le bon jour. Tu es digne quand tout marche et quand tout ne marche pas. Tu es digne là où il y a la vie, là où il y a la mort. Tu es digne, Seigneur, notre Père. Alléluia. Tous ceux qui ont quitté la terre, tous les justes qui ont quitté la terre, sont très certainement de dire que tu es digne. Et Père, nous, les vivants, nous disons que tu es digne, que tu es digne. Parce que Père, rien ne change, rien ne change. Tu restes Dieu et digne de gloire et digne de louange, nous disons. Papa. Seigneur, entends la reconnaissance, la gratitude. Entends, Seigneur, nos paroles, nos expressions de gratitude que nous t'offrons ce matin, que nous t'offrons maintenant, ce jour, ce matin. Tu es digne. Tu es digne. Pour la vie que tu m'as donnée. Pour la paix que tu m'as donnée.
pour la joie, pour la bonne santé. Je veux reconnaître que tu es digne, Seigneur, de ce que tu m'as appelé à toi, de ce que tu m'as sauvé, de ce que tu m'as donné la vie éternelle. Je reconnais que tu es digne pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Je reconnais que tu es digne. Ô Père, alléluia. Papa, une dernière fois je dis, Seigneur, tu es digne maintenant de recevoir toute gloire et toute louange. Alléluia. Oh, laisse mon cœur te louer, laisse mon cœur te célébrer, laisse mon cœur te chanter. Alléluia. Papa, ce matin, je déclare ce matin, ô Père, loué soit ton nom, adoré soit ton nom, glorifié soit ton nom. Papa, ce matin je dis loué, ô Père. Mon Seigneur, mon Dieu, ce matin, je dis adoré dans nos vies, Seigneur, dans nos territoires, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises. Père, je dis adoré. Capacité, toi qui nous donnes l'être, le mouvement, toi qui nous donnes la force, toi qui nous donnes la voix. Et Papa, adoré, nous déclarons, nous disons adoré dans nos cœurs, dans nos ce matin. Alléluia. Nous t'élevons. Papa, sois élevé. Oh, ce matin. Hey, dans nos vies, Seigneur, nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Nous disons célébrer. Sois célébré. Que ton nom soit célébré, que le Père soit célébré, que Jésus-Christ soit célébré, que mon Dieu soit célébré ce matin. Papa, célébré. Oh, je dis ce matin, alléluia, je déclare célébré. En tout lieu, en tout temps, dans la vie des justes, alléluia, dans les maisons des justes, Papa, dans tous les territoires, alléluia, nous déclarons célébrer, nous te célébrons, nous te célébrons, Papa, nous déclarons adorer. Celui qui nous a donné le souffle, alléluia, celui qui nous a donné la tranquillité, Papa, nous disons glorifié, tu es glorifié, nous te glorifions, Papa, c'est toi que nous glorifions, nous te rendons la gloire, glorifié,
glorifier, glorifier, glorifier la gloire à notre Père, la gloire à notre Dieu, la gloire à notre Seigneur ce matin. Acclamez. Sois acclamé. Sois acclamé. Ce matin, acclamé. Oh. Acclamé. Alléluia, reçois nos acclamations ce matin. Nous t'acclamons, Père. Toi qui es là, toi qui nous soutiens, toi qui nous gardes, toi qui nous préserve, sois acclamé. Alléluia. Reçois ce matin, reçois ce matin, Papa, notre gratitude, notre connaissance. Reçois ce matin nos acclamations. Reçois ce matin, Père, notre connaissance. Reçois ce matin, oh, notre gratitude. Reçois ce matin, alléluia. Reçois ce matin, Papa, tes fils se sont réveillés, Papa, pour te dire. Papa, pour la vie, pour la paix, pour la tranquillité, pour l'heure de la prière du matin, pour ce rendez-vous, Seigneur. Papa, nous disons, reçois, 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 reçois la gloire, la reconnaissance, la gratitude. Papa, nos acclamations. Reçois, alléluia. Oh Père, béni soit ton saint nom, au nom de Jésus. Alléluia. Il est dit, bien-aimé, dans le psaume 63, verset 4, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Oui, ce matin, nos lèvres célèbrent les louanges du Seigneur, parce que sa bonté vaut mieux que la vie. Il a répandu sa bonté dans nos maisons durant toute la nuit. Voilà pourquoi ce matin, nous rendons grâce à Dieu le Père au nom de Jésus pour la vie qu'il nous a conservée, ainsi qu'à nos familles dans sa bonté. Nous élevons la voix, nous disons merci à Dieu pour sa bonté et pour la vie qu'il nous a conservée. Élevons la voix, prions le Seigneur, élevons la voix, bénissons le Seigneur. Sa bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te rendons gloire. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté, Père, vaut mieux que la vie. Tu nous as manifesté ta bonté dans nos maisons. Tu nous as manifesté ta bonté dans nos vies. Père, les membres de nos maisons. Père, ô Dieu, nos familles, nos proches. Tu as manifesté ta bonté afin que nous soyons en vie. Tu nous as conservé la vie. Paix à nous, à nos maisons. Et pour cela, nous te disons merci. Et pour cela, nous te glorifions. Et pour cela, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Paix. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Père, pour la vie que tu nous as donnée. Ce matin, reçois la gloire. Ce matin, reçois la reconnaissance. Reçois la gratitude. Papa, reçois pour le souffle de vie nos actions de grâce. Papa, ce matin, Seigneur, nous disons, reçois nos actions de grâce. Notre connaissance, notre gratitude, Papa, reçois, reçois, reçois ce matin. Et, oh.
tu m'as donné. Reçois ce matin mes actions de grâce, ma reconnaissance et ma gratitude. Papa, reçois. Reçois, Père, nos actions de grâce au nom de Jésus et nous disons amen. Amen. Il est dit dans le psaume 147, verset 14, la première partie, il est dit, il rend la paix à ton territoire. Le Seigneur a rendu, a donné, a accordé la paix à nos territoires. Et nous voulons élever la voix pour lui dire merci au nom de Jésus-Christ pour la paix dans nos maisons et dans nos territoires. Nous élevons la voix et nous disons maintenant merci pour la paix dans nos nations, dans nos territoires, dans nos villes et dans nos maisons. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Bénis le Seigneur, glorifie-le. Il a rendu la paix à nos territoires. Il a rendu la paix à nos maisons. Là où l'ennemi s'était levé, là où Satan, Père, s'était levé pour troubler nos territoires, pour troubler nos villes, pour troubler nos maisons. Père, tu nous as rendu la paix. Tu nous as donné la paix. Et ce matin, Père, nous te disons merci. Et ce matin, notre Dieu, nous te bénissons pour la paix que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire pour la paix que tu nous as donnée. Oh, tu es digne, notre Père, de recevoir toute louange et toute gloire. Tu es digne, Père, de recevoir ce matin nos actions de grâce et nos remerciements pour la paix que tu nous as donnée. Merci pour la paix dans nos territoires. Merci pour la paix dans nos villes. Et merci pour la paix dans nos maisons, dans nos familles, dans nos activités. Nous avons pu dormir toute la nuit en toute quiétude et en toute tranquillité. Oh Père, reçois ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Papa, nous déclarons, nous disons Seigneur, reçois ce matin, Papa, reçois. Oh, nous disons Seigneur, reçois, reçois. Reçois les actions de grâce, reçois nos acclamations Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia Père. Oh, tu es digne Seigneur de recevoir nos actions de grâce. Qui sur la terre, qui Père dans nos territoires est digne de recevoir nos actions de grâce? Il n'y a que toi et toi seul est digne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons amen. Amen. Bien-aimé, il est dit dans Jean 3, verset 16, dans la version Semeur, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ce matin, nous voulons prendre le temps et le soin de dire merci au Père au nom de Jésus pour son Fils unique qu'il a sacrifié à cause de son amour pour tous les hommes et pour le salut pour quiconque croit. La Bible dit que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Nous allons dire merci à Dieu pour tous ceux qui placent, qui vont placer leur confiance dans le Père et dans l'œuvre achevée à la croix et qui vont échapper à la perdition et qui vont recevoir la vie éternelle. Bien-aimés, pour cet amour que Dieu a manifesté, ensemble nous élevons la voix et nous disons merci. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu maintenant au nom de Jésus. Raboroso, Rebekolo Shikarabo. Paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te disons merci. De ce que tu as aimé le monde, de ce que tu as aimé les hommes.
Papa, merci parce que c'est fait et cela ne peut plus changer. Tu aimes le monde, tu as aimé le monde, tu as aimé tous les hommes. Père, merci pour ton amour pour tous les hommes sur la terre. Merci Père, au nom de Jésus, pour le salut auquel tu as pourvu pour quiconque croit, pour quiconque place sa confiance en toi, pour quiconque Père se confie en toi. Tu as dit, il échappe à la perdition et il reçoit la vie éternelle. Merci ce matin pour la vie éternelle. Père, que tous les hommes qui placent leur confiance en toi reçoivent, Seigneur. Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Papa, ce matin, alléluia. Alléluia. Et ce matin, alléluia. Nous disons, papa, papa, nos actions. Nous déclarons, papa, ce matin, encore nous disons, Seigneur, reçois. Seigneur, reçois. Reçois nos actions de grâce. Ce matin, reçois. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Acte 9, le verset 31. La Bible dit dans la version Louis II, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons dire merci au Père au nom de Jésus-Christ pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné pour nous assister et pour les bienfaits de cette assistance du Saint-Esprit en toutes choses. L'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur. L'Église était en paix et l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous allons élever la voix pour tous ces bienfaits de l'assistance du Saint-Esprit et pour la personne du Saint-Esprit, le Consolateur que le Père nous a envoyé. Nous élevons la voix, nous bénissons le Seigneur. Élève la voix, bénis le Seigneur. Pour le Saint-Esprit. Alléluia. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons gloire pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Père, le Consolateur, tu nous l'as envoyé. Et ta parole dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Alléluia. Béni sois-tu parce que avec l'arrivée du Saint-Esprit, les justes sont en paix. Merci pour la paix par l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour la marche par l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour la crainte de Dieu dans nos cœurs par l'assistance du Saint-Esprit. Merci Père pour la croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour tous les bienfaits de l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies, dans la vie des justes à travers le monde. Père, nous te disons merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Reçois, Père, ce matin notre reconnaissance et gratitude au nom de Jésus. Reçois ce matin nos actions de grâce pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, pour le Consolateur que tu nous as donné au nom de Jésus. Papa, nous disons Papa, nous disons, reçois ce matin et reçois paix. Alléluia. Papa, et alléluia. Reçois, reçois, reçois paix. Papa, au nom de Jésus. Alléluia, Père, nous te bénissons pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Voilà pourquoi, ô Dieu, ce matin, Seigneur, étant conscient
que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Étant conscient que le Saint-Esprit est avec nous, Père, nous honorons la personne, nous honorons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Papa, au nom de Jésus, nous voulons honorer, nous voulons acclamer en signe, alléluia, de reconnaissance, d'honneur, de gratitude. Père, nous acclamons et nous recevons ce matin le Saint-Esprit. Et alors, alléluia. Nous voulons honorer la présence du Saint-Esprit. Comment ne pas honorer, alléluia, le consolateur, le conseiller, le défenseur, le paraclet que tu nous as envoyé. Père, nous honorons. Nous disons honoré. Saint-Esprit de Dieu, sois honoré. Ce matin dans nos vies, sois honoré. Ce matin dans nos cultes, sois honoré. Dans nos églises, sois honoré. Dans nos maisons, sois honoré. Dans nos activités, sois honoré. Dans tout ce que nous faisons, sois honoré. Alléluia. Nous disons honoré. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'honorons. Nous t'honorons ce matin. Alléluia. Oh, accueilli. Nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons dans cette journée. Cette journée est à toi. Cette journée t'appartient. Cette journée est sous ton contrôle. Parce que nous t'accueillons. Accueilli. Nous disons, accueilli soit le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous disons, accueilli. Ce matin, oh Père, nous accueillons le Saint-Esprit, nous apprécions le Saint-Esprit. Alléluia. Accueilli soit le Saint-Esprit ce matin et apprécié soit le Saint-Esprit. Nous apprécions ses conseils, nous apprécions son assistance, nous apprécions son encouragement. Alléluia. Chaque jour, il nous encourage. Alléluia. Nous disons apprécié. Que le Saint-Esprit soit apprécié dans nos vies, dans la vie des justes, à travers le monde. Ce matin, sois apprécié. Esprit de Dieu, consolateur, apprécié. Oh, ce matin. Alléluia. Attendu, tu es attendu ce matin. Nous ne ferons pas un pas sans toi. Nous n'irons pas sans toi. Nous ne sortirons pas sans toi. Saint-Esprit, nous t'attendons. Oh, attendu, tu es attendu. Pas un pas ce matin sans toi. Pas un pas sans toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu es désiré. Tu es désiré. Tu es désiré. Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit. Nous disons désiré. Oh, ce matin,
tu es désiré. Esprit de Dieu, tu es désiré. Nous déclarons désiré. Esprit du Père, Esprit de Jésus, ce matin nous te désirons. Alléluia. Oh, à adorer. Nous t'adorons. Tu es digne. Nous t'adorons. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Père, nous te bénissons pour la présence du Saint-Esprit. Nous te bénissons pour l'œuvre excellente du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Bien-aimé, dans Actes 9, 31, dans la version Nouvelle Bible Second, la Bible dit l'Église se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement de l'Esprit Saint. Quelqu'un dit l'encouragement de l'Esprit Saint. Oui, le Saint-Esprit vient nous encourager. Et dans Marc 11, verset 25, dans la version Parole de vie, il est dit, « Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. » Alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. Dans Matthieu 5, versets 23 et 24, version Martin, il est dit, « Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là, quelqu'un dit « et que là ». La Bible dit « et que là, il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier premièrement avec ton frère. Puis viens et offre ton offrande. » Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Quelqu'un dit « gloire à Dieu ». Le Saint-Esprit ce matin nous encourage à ressembler à notre Père en faisant le bien. Et ce bien consiste à accorder le pardon aux autres, à demander pardon aux autres, à vivre le pardon mutuel. Et ce matin, nous allons prier le Père afin que le Saint-Esprit nous aide, nous assiste et nous encourage à faire le bien à travers le pardon. Bien-aimé, il est dit, et quand vous êtes debout pour prier, maintenant que nous prions, si dans nos cœurs nous nous rendons compte que quelqu'un nous a fait du mal, nous pardonnons. Et maintenant que nous sommes en train de prier, si nous nous rendons compte que quelqu'un a quelque chose contre nous, nous laissons d'abord l'offrande et nous partons nous réconcilier. Nous allons prier le Père afin qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et disons, Père, nous disons ensemble nous disons, Père, accorde-nous. Par le Saint-Esprit, par l'encouragement du Saint-Esprit, à vivre le pardon au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie le Seigneur, afin qu'aujourd'hui, tous les justes à travers le monde, tous les justes sur la terre, vivent le pardon mutuel, par l'encouragement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père, tu as dit, lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Papa, maintenant que tous les justes qui sont dans ta présence, que tous les justes qui sont debout, Père, pour prier ce matin, soient capables par le Saint-Esprit, capables par l'encouragement du Saint-Esprit de pardonner, de vivre le pardon au nom de Jésus. Ô Père,
Père, que ce matin, au nom de Jésus-Christ, que tous les justes qui sont en train de présenter l'offrande et qui se souviennent que leurs frères ont des choses contre eux, ô Père, abandonne l'offrande, abandonne, Père, ô Dieu, la prière pour aller se réconcilier, parce que c'est ce que tu veux, au nom de Jésus. Nous prions, Père, afin que le Saint-Esprit nous soutienne, afin que le Saint-Esprit nous encourage, afin que le Saint-Esprit nous conduise au nom de Jésus. Papa, nous prions. Papa, nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous désirons le Saint-Esprit. Papa, parce que nous savons que seuls, nous n'arriverons pas. Seuls, nous ne pourrons pas, Seigneur. Nous désirons. Dans notre vie, Seigneur. Dans nos relations. Dans nos échanges. Dans nos activités. Dans nos maisons. Dans nos églises. Papa, pour vivre le pardon, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, l'appui, l'encouragement, l'aide, l'assistance du Saint-Esprit afin de vivre le véritable pardon. Papa, nous disons désirer. Ce matin. Ce matin. Bien-aimés, nous allons prier le Père sur la base de ces versets que nous avons lus. Nous allons prier le Père au nom de Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit rende conscient les justes à travers le monde que pardonner aux autres réjouit le cœur du Père, lui qui ne cesse de nous pardonner. Que pardonner aux autres, c'est le préalable avant toute prière, avant toute offrande de louange, d'adoration. Que le Saint-Esprit rende conscient les justes que pardonner aux autres rend nos prières efficaces et permet au Père de nous exaucer. Nous allons demander au Père que le Saint-Esprit rende conscient les justes à travers le monde. Que pardonner aux autres, c'est le préalable pour être pardonné, pour obtenir le pardon de Dieu. Nous allons aussi prier afin que les justes soient conscients que pardonner aux autres fait du bien à nos propres vies, à nos relations, à nos églises, à nos familles, à nos activités et à nos territoires. L'importance du pardon. Ensemble, nous disons tendre Père. Tendre Père. Au nom de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit rende conscient les justes sur la terre, sur l'importance du pardon au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Paix au nom de Jésus. Nous prions pour que le Saint-Esprit rende témoignage, pour que le Saint-Esprit assiste les justes. Nous prions, Père, pour que le Saint-Esprit assiste les justes sur la terre pour être conscients, pour les rendre conscients de l'importance du pardon. Papa, que les justes soient conscients que pardonner aux autres, c'est le préalable pour être exaucé, c'est le préalable pour être pardonné, c'est le préalable avant d'offrir des louanges, de l'adoration à Dieu, avant de prier, c'est le préalable. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur. Nous demandons que le Saint-Esprit rende conscient tes enfants sur la terre. Tes enfants sur la terre. Que le pardon aux autres, c'est le préalable pour prier, pour louer, pour adorer. C'est le préalable pour vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est le préalable pour être soutenu par Dieu. Au nom de Jésus. Papa, nous prions. Papa, nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit nous rende conscient que dans nos relations, dans nos activités, dans nos églises, dans nos territoires, dans nos maisons, dans nos familles, Père, le pardon fait le bien. Au nom de Jésus. Hey, Papa.
délivrance ce matin. Nous voulons ton aide par le Saint-Esprit. Désirez, sois ton esprit. Ce matin. Alléluia. Pour vivre le pardon. Pour pardonner aux autres. Nous déclarons. Oh Seigneur. Nous déclarons désirer. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous disons invités. Nous invitons paix. Au nom de Jésus, nous invitons Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia dans nos relations, dans nos activités, dans nos églises, pour être capable, pour être conscient, Père, de l'importance du pardon. Papa. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons insister. Le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui à vivre le véritable pardon. Et nous allons prier le Père au nom de Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit encourage, aide les justes à travers le monde à pardonner aux autres. Quelle que soit la faute, les erreurs, quelle que soit la personne, que les justes soient capables de pardonner. Oui, parfois on entend des personnes disent, je peux pardonner toutes les fautes, sauf celle-là. On entend aussi des gens dire, je peux pardonner tout le monde, mais sauf la personne-là. Nous allons demander au Père que le Saint-Esprit encourage, aide les justes à travers le monde à pardonner, quelle que soit la faute, quelle que soit la personne. Oui, et quel que soit le nombre de fois que nous avons été offensés. Matthieu 18, versets 21 à 22, la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Nous allons élever la voix et nous allons dire ensemble, Père, au nom de Jésus, nous prions pour que le Saint-Esprit aide les justes, assiste les justes à travers le monde à pardonner aux autres, quel que soit le nombre de fois qu'ils ont été offensés, quelle que soit la personne, quelle que soit la faute, au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur, prie pour le pardon, prie que le Saint-Esprit aide, prie que le Saint-Esprit assiste, prie que le Saint-Esprit encourage les justes sur la terre à pardonner, élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia, Père. Au nom de Jésus, Papa, nous te supplions. Père, nous te supplions ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oui, Pierre a dit, combien de fois dois-je pardonner? Papa, nous supplions, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous aide, nous assiste, nous encourage. Père, nous enseigne à pardonner aux autres, quelle que soit leur faute, quelle que soit la personne, quel que soit le nombre de fois que nous avons été offensés. Papa, soutiens les justes, au nom de Jésus. Sur cette terre, soutiens les justes, Papa, ici-bas, au nom de Jésus, à pardonner toute personne, à pardonner toute faute, à pardonner notre Père, toutes les fois, ô Dieu, que nous avons été offensés, qu'ils ont été offensés, au nom de Jésus. Aide les justes par le Saint-Esprit. Encourage les justes par le Saint-Esprit à vivre le pardon au nom de Jésus. Papa, alléluia. Voilà pourquoi nous invitons le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi nous invitons le Saint-Esprit. Nous n'arriverons pas seuls, Seigneur. Nous ne pourrons pas seuls, notre Père, mais nous invitons. Alléluia. Père, nous invitons le Saint-Esprit. Nous invitons. Papa. Devant toutes les personnes qui nous ont offensés. Devant toutes les formes d'offense que nous avons subies. Papa, devant les multiples offenses que nous avons subies. Les justes sur la terre invitent le Saint-Esprit à les encourager, à les aider, à les soutenir. Alléluia. À les assister pour le pardon. Alléluia. Nous disons invité. Alléluia. Nous allons encore prier ce matin, bien-aimés. Nous allons demander au Père, au nom de Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit encourage les justes à travers le monde à pardonner aux autres. Quand ces derniers viennent demander pardon, selon qu'il est dit dans Luc 17, verset 3, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Que les justes soient capables, par le Saint-Esprit, à pardonner quand les autres viennent demander pardon. Mais qu'ils soient aussi capables à pardonner quand même ces derniers ne viennent pas demander pardon et agir comme notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. La Bible dit dans Luc 23, verset 34, le Seigneur dit, « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, que les gens viennent demander pardon ou ne viennent pas demander pardon, nous allons demander que les justes par le Saint-Esprit soient capables de pardonner. Qu'ils ne ratent jamais une occasion de pardonner. Bien-aimés, nous élevons la voix et nous prions le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Que les justes ne ratent pas l'opportunité, l'occasion de pardonner. Père, nous prions au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soutienne, que le Saint-Esprit encourage, que le Saint-Esprit appuie les justes à pardonner lorsque leurs frères, leurs amis, leurs collègues viennent demander pardon. Tu as dit, Père, s'il se repent, pardonne-lui. Papa, au nom de Jésus, nous prions, s'il se repent, si les autres se repentent, que les justes, par le Saint-Esprit, par l'encouragement du Saint-Esprit, soient capables de pardonner. Père, nous prions que le Saint-Esprit donne aussi, soutienne aussi les justes à pardonner quand même les autres ne demandent pas pardon. Papa, au nom de Jésus, que les justes ne gardent pas rancune, que les justes, Papa, oh Dieu, n'enferment pas, ne ferment pas leur cœur, mais qu'ils pardonnent comme Jésus à la croix. Personne n'avait demandé pardon, mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit conduise les justes à cette maturité, à voir les autres et à pardonner les offenses. Au nom de Jésus. Papa, nous prions afin qu'il en soit ainsi. Hey! Papa, nous prions qu'il en soit ainsi. Le pardon au nom de Jésus. Hey! Invité soit l'Esprit ce matin. Alléluia. Nous disons, dans la vie de tous ceux qui n'arrivent pas, dans la vie de tous ceux qui ne peuvent pas, alléluia, qui se sentent faibles, Papa, nous prions que le Saint-Esprit donne la force, l'encouragement, la motivation à pardonner. Papa, au nom de Jésus, ce matin,
nous disons invité. Oh, ce matin, Papa, ce matin. Nous allons encore prier à propos du pardon. Nous allons demander au Père au nom de Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit encourage les justes à travers le monde à expérimenter le pardon sincère, fruit de l'amour envers les autres. En oubliant les fautes qui ont été confessées, sans les rappeler à nouveau. Proverbe 17, verset 9 dit, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. » Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Nous allons prier le Père pour que le Saint-Esprit encourage les justes à oublier les fautes qui ont été confessées et pardonnées. Et nous allons aussi demander que le Saint-Esprit encourage les justes à travers le monde à être comme notre Père. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 55, verset 7, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Notre Père, notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et nous allons élever la voix. Ensemble, nous disons au nom de Jésus, notre Père, nous prions pour que les justes, appuyés par le Saint-Esprit, pardonnent aux autres sans rappeler les fautes. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur au nom de Jésus. Papa, nous prions que les justes, par le Saint-Esprit, appuyés par le Saint-Esprit, encouragés par le Saint-Esprit, assistés par le Saint-Esprit, soient capables, Père, de pardonner, d'oublier et de ne pas rappeler les fautes. Papa, au nom de Jésus, tu as dit que celui qui couvre les fautes cherche l'amour. Ô Père, par le Saint-Esprit, que les justes couvrent les fautes. Que les justes cherchent l'amour. Que les justes oublient les péchés, les fautes, les erreurs qui ont été confessées. Et qu'ils ne les rappellent pas au nom de Jésus. Papa, nous prions par le Saint-Esprit, par l'appui du Saint-Esprit, par l'encouragement du Saint-Esprit. Que les justes ne se lassent pas de pardonner. Ne se lassent pas, oh Dieu, de pardonner au nom de Jésus. Papa, nous prions afin qu'il en soit ainsi ce matin au nom de Jésus. Papa, papa, nous soupirons. Invité, invité soit l'Esprit ce matin. Invité. Ce matin, alléluia, nous disons rechercher, rechercher, hey! Alléluia, ce matin, dans nos relations, dans nos activités, dans nos églises, Père, dans tout ce que nous allons faire ce matin, nous recherchons l'appui, nous recherchons l'encouragement, nous recherchons l'assistance du Saint-Esprit. Nous voulons vivre, expérimenter le pardon sincère, le pardon profond, au nom de Jésus. Papa, nous disons, recherchez, recherchez, nous recherchons l'appui, nous recherchons l'encouragement, nous recherchons notre Père, le soutien, nous désirons le soutien du Saint-Esprit au nom de Jésus. Désirez, désirez, alléluia, associez. Dans nos relations, oh, dans les conflits, dans les moments difficiles, associé soit l'Esprit. Papa, nous disant, associé soit l'Esprit.
Nous te disons merci, notre Père. Au nom de Jésus, et nous disons amen. Amen. Ce matin, nous allons recommander cette journée. Et nous allons prier pour tous ceux qui font le bien à travers la riposte au COVID-19, à travers la riposte aux autres maladies, à travers la lutte contre les conflits, la crise économique, la famine à travers le monde. Nous allons prier que le Seigneur soutienne leurs efforts, soutienne ses activités et que ce bien soit fait à plusieurs et que la terre soit bien. Nous élevons la voix, nous recommandons la journée, nous prions pour tous ceux qui travaillent en particulier dans ces domaines. Élève la voix au nom de Jésus. Prions, soutenons ceux qui font le bien à travers la riposte au COVID, à travers la lutte contre la famine, la lutte contre les conflits, contre la crise économique, au nom de Jésus. Père, nous prions. Père, nous demandons. Père, au nom de Jésus, nous prions maintenant afin, ô Dieu de gloire, tous ceux qui travaillent à la riposte au COVID, tous ceux qui travaillent à la riposte aux autres maladies, cancer, au diabète, Père, au nom de Jésus, nous prions pour tous ceux qui travaillent à la lutte contre la crise économique, à la lutte, Père, contre les famines, les conflits, Père, au nom de Jésus, soutiens-les dans leurs efforts à faire le bien à la terre, à faire le bien à tous les hommes, au nom de Jésus. Papa, ce matin, Seigneur, c'est à toi seul que nous demandons, que nous recommandons la terre, que nous soumettons les activités de la terre, que nous soumettons, Père, les luttes, ô Dieu de gloire, des hommes pour faire le bien. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Amen. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est le Seigneur qui le dit. Alors, en offrant des actions de grâce, nous glorifions le Père. Nous allons le glorifier. Nous allons lui dire merci pour l'exaucement de nos prières ce matin et pour la capacité qu'il donne aux justes à vivre, à expérimenter le pardon et pour le soutien qu'il apporte aux hommes dans la lutte contre les maladies et contre tous ces fléaux qui frappent la terre. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Père. Tu as dit dans ta parole, celui qui t'offre les actions de grâce te glorifie. Alors ce matin, Père, je te glorifie. Je te glorifie ce matin, Père. De ce que tu as écouté nos prières, de ce que tu as exaucé nos prières. Merci pour le bien que tu nous enseignes. Merci pour le pardon que tu nous enseignes. Merci pour le Saint-Esprit qui nous soutient à pardonner. Merci pour le Saint-Esprit qui nous soutient à libérer nos cœurs. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous soutient dans les réconciliations que nous allons vivre ce matin. Père, nous te disons merci. Alléluia. À toi soit la gloire, Père. Pour tous les efforts des hommes. Alléluia. Nous disons à toi. Alléluia. Père, à toi seul soit la gloire. À toi seul soient nos acclamations. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen.